Ce qui s'est passé hier, si vous étiez présent, vous n'allez pas croire à ça, puisque on ne s'attendait pas à ça, on pensait comme c'est une manifestation pacifique et que les gens devaient manifester pacifiquement. Et or, c'était une déclaration de guerre contre notre parti. Et c'était un groupe, centaines de personnes qui étaient venues armées avec des couteaux, des pneus, tous ces gens-là. Et en plus avec des essences. Vous avez constaté les dégâts, donc nous, on était un peu minoritaires, nous ne pouvons rien faire. Chers, à notre défunt président seront éprouvés et sanctuarisés dans le cadre d'un opportunité que nous offre aujourd'hui l'histoire pour nous retrouver autour d'une...